La scène la plus forte de la Révolution française est celle de l'exécution du roi le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution. Ce jour-là, la guillotine tranche avec la tête de Louis XVI, le conflit qui s'est noué en 1789 entre les deux souverainetés, celle du passé et celle de l'avenir, celle du roi et celle du peuple. 4 ans après qu'elle ait éclaté, la Révolution a vaincu le roi. C'est le roi de France qui a convoqué ses états généraux pour mai 1789. Le 4 mai, la vaste procession des États, qui traverse Versailles pour aller écouter la messe à l'église Saint-Louis, respecte les hiérarchies traditionnelles du royaume, incarnées par les costumes. Sieyès a déjà publié au début de l'année sa fameuse brochure sur les droits du tiers-État. Qu'est-ce que le tiers-État ? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À y devenir quelque chose. Mais le tiers-État n'est encore le 4 mai que le tiers-État. On le voit à l'ordonnancement de la grande séance d'ouverture des États, le 5 mai, dans la salle des menus plaisirs, ornée à son extrémité d'une estrade et d'un dais magnifique, au fond desquels se trouve le trône. Tout est organisé dans le plus pur style de cour, selon une succession hiérarchique de fauteuils, de chaises, de tabourets, de pliants et de banquettes, destiné à asseoir les personnages augustes de l'entourage royal, depuis Marie-Antoinette jusqu'au gouverneur des provinces. Reste l'essentiel, mais qui vient en dernier, les députés eux-mêmes, plus de 1000, qui ont émargé à la liste des présents. On a destiné aux deux premiers ordres, le clergé et la noblesse, de chaque côté du trône et dans la longueur de la salle, des rangées de banquettes séparées au milieu, à droite le clergé, à gauche la noblesse. Quant au tiers-état, il est au fond, sur les banquettes qui occupent toute la largeur de la salle. Le roi n'a rien dit, ni rien fait dire par ses ministres qui répondent aux attentes de la majorité des députés. Dès le lendemain de cette séance solennelle, le tiers-État refuse la séparation des ordres. Il finit par se proclamer le 17 juin Assemblée nationale à l'appel de Sieyès. Il s'approprie ainsi la souveraineté. C'est le premier acte de la Révolution, conflit frontal avec la royauté. Le roi fait fermer la salle où le tiers-État se réunit. Levin, trouvant porte close, les députés se réfugient dans une sorte de grand gymnase proche. Ils y prêtent le fameux serment de ne jamais se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. David a laissé de cette scène une vaste composition dessinée, prélude à un tableau qui ne sera jamais exécuté. Le lieu, la salle du jeu de paume, n'a rien de spectaculaire. Grande bâtisse destinée au jeu du corps. Vu de l'intérieur, les hauts murs de la salle, pauvres et nus, suggère un lieu abstrait, presque vide, où seuls quelques grappes d'hommes à gauche et à droite figurent à la fois le peuple et le vent d'orage de ce jour et de ce temps.
Tout le sujet de l'esquisse tient par contraste dans sa moitié inférieure. Une communauté d'individus fraternels, communiant dans un acte identique, par quoi elle fonde la volonté du peuple. Nulle représentation du roi, nulle image du passé, nulle richesse ornementale. Tout juste une multiplicité d'individus transformés en unité de volonté. Rien ne dit mieux déjà l'imaginaire républicain de la Révolution française que le tableau de cette scène inaugurale, composé pourtant par David en pleine période de monarchie constitutionnelle, 1791. Dans l'avant-scène de la composition, on reconnaît facilement les grands ténors de l'Assemblée dans des postures romaines. Mirabeau à droite, campé comme un athlète sur des jambes puissantes, les bras formant équerre, la fameuse tête léonine empreinte d'un transport presque divin. Au centre, Bailly, monté sur une table, et le grand prêtre de ce nouveau Sinaï. À gauche, le groupe dit des curés du Poitou, ces trois membres du bas clergé qui ont rejoint le tiers-état dès le 13 juin. Pendant que les députés du tiers-état, bientôt rejoints par la plupart de ceux du clergé, puis de la noblesse libérale, font capituler le roi, qui accorde la réunion des ordres en une seule assemblée, Paris est en effervescence croissante. La crise économique ajoute ses effets à ceux de la crise politique. Suite à une mauvaise récolte et à une terrible grêle survenue dans l'été 1788, le pain n'a jamais été si cher. Les sans-travail sont nombreux et leur nombre grossit d'une population poussée vers la capitale par la misère des campagnes. De leur côté, les boutiquiers et les rentiers, l'ossature des villes d'ancien régime, s'alarment sur la valeur de leurs créances sur le trésor royal. Depuis Louis XIV, la monarchie a beaucoup emprunté et il y a tout un peuple de rentiers, dont Necker est l'idole, qui regarde ce qui se passe à Versailles d'un œil passionné. Les États généraux, la proclamation le 17 juin de l'Assemblée nationale, le serment du jeu de paume ont cristallisé à Paris une opinion publique révolutionnaire, à la fois populaire et bourgeoise, alimentée par une navette constante avec Versailles. Cette opinion tient ses assises au Palais Royal, tout juste reconstruit à la mode du temps par son riche propriétaire, le duc d'Orléans, cousin et vaguement rival de Louis XVI. Un jeune agitateur, Camille Desmoulins, y fait ses premières armes. Or, le 11 juillet, alors que des troupes nouvelles apparaissent dans Paris depuis plusieurs jours, le roi fait un choix symbolique. Il renvoie Necker. Paris apprend la nouvelle le lendemain 12. Le buste de Necker est porté en triomphe. L'imagerie du temps nous montre une femme fessée pour avoir craché sur l'idole des Parisiens. Mais il y a beaucoup plus grave. Une insurrection qui commence. Elle bénéficie du soutien de certaines troupes, comme les gardes françaises, passées du côté du peuple dans les jours qui précèdent. Elle se heurte par contre au royal allemand, commandé par le prince de Lambesc, qui échange des coups de feu avec les gardes françaises et charge les manifestants sabre au clair place Louis XV, la place de la Concorde actuelle, et jusque dans le jardin des Tuileries. Les blessés forment désormais les drapeaux de la révolte. Extension du mouvement le lendemain 13. Le tocsin a sonné toute la nuit.
Les émeutiers se portent aux barrières d'octroi qu'ils incendient comme autant de symboles de taxes supplémentaires qui font monter le prix du pain. Le couvent Saint-Lazare est pillé où ils soupçonnent qu'il y a des stocks de blé. Pendant ce temps, les quelques centaines d'électeurs de Paris s'organisent. Ce sont ceux qui ont siégé au second degré pour élire les 20 députés de la capitale aux États généraux, une forte élite révolutionnaire de bourgeois. Ils décident de former un comité permanent et une milice qui entre aussitôt en action avec les armes du bord. Les armes, c'est le grand problème du 14 juillet. Déjà la veille, une délégation des électeurs s'est rendue aux Invalides, où sont entreposés 30 000 fusils, mais en vain. Tant que le 14 au matin, la foule force les grilles du vaste hôtel construit par Louvois, et elle s'arme sans que les troupes du baron de Besenval, chef militaire suprême à Paris, interviennent. Alors naît l'idée d'aller à l'autre bout de la ville, à la Bastille, attaquer l'immense forteresse médiévale. Est-ce simplement pour y trouver des munitions, ou bien pour faire tomber la prison légendaire des temps révolus, spectaculaire anachronisme politique et urbain, qui barre l'extrémité de la rue Saint-Antoine? Les deux idées ne sont pas incompatibles, et la foule parisienne a trouvé ce jour-là le meilleur symbole de ce qu'on va bientôt appeler l'Ancien Régime. La Bastille, dont les défenseurs n'ont jamais vraiment voulu se battre, capitule au milieu de l'après-midi, après une fusillade confuse et sanglante. La foule victorieuse, bourgeoisie et peuple mêlés, inaugure le spectacle du sang, désormais inséparable des grandes scènes de la Révolution. Le gouverneur de la Bastille, Launay, traîné par les quais jusqu'à l'hôtel de ville, est abattu place de Grève. Le prévôt des marchands Flessel subit le même sort. Leurs têtes coupées, fixées à des pics, sont exhibées jusqu'au palais royal. À Delaunay, Flessel, à Berthier et Foulon, on met une ficelle au-dessous du menton. Et mais oui, da, comment peut-on trouver du mal à ça? On est nida, comment peut-on trouver du mal à ça? Ennemi de la France, votre règne est passé. Le temps de la vengeance est enfin arrivé. Eh mais oui, comment peut-on trouver
trouver du mal à ça? Oninida, comment peut-on trouver du mal à ça? Victoire décisive de la Révolution sur le roi. Louis XVI renvoie les troupes et rappelle Necker le 15 juillet. Le 17, il vient à Paris incliner l'autorité qu'il tient de l'histoire de France devant le nouveau souverain qui vient d'imposer sa force. Consacre les autorités nées de l'insurrection, Bailly devenu maire de Paris, Lafayette commandant de la garde nationale. Le 14 juillet, à fêtage d'huile, la nation suit l'exemple de Paris. Les villes se donnent des milices. Les paysans s'arment et réclament leur part. Ils brûlent ici et là les châteaux où ils sont allés chercher les titres primitifs de ces droits féodaux qu'ils doivent encore aux seigneurs de leurs terres. L'Assemblée constituante, dans la fameuse nuit du 4 août, détruit ce qu'elle appelle le régime féodal. En fait, toute la société aristocratique, à laquelle elle substitue l'égalité civile moderne, l'univers où nous sommes encore. Suit immédiatement la reconstruction de l'ordre politique. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les Français ne sont plus des sujets du roi de France, insérés de toute éternité dans un réseau de hiérarchie. Ils sont des individus libres et égaux, constituant un pacte social où ils entrent avec des droits égaux et garantis, liberté, égalité, propriété, admission de tous aux emplois. La société doit assurer tous leurs droits par l'intermédiaire de la loi, issue elle-même de leur volonté collective. Comment ? Par l'exercice d'une souveraineté déléguée, confiée par la nation à l'Assemblée, dépositaire de la volonté générale. Pas de division de souveraineté. Le peuple s'est saisi de la souveraineté du roi, une et indivisible. Louis XVI n'est plus que le premier fonctionnaire du nouveau régime, qui ressemble plus à une république qu'à un royaume. Les députés lui ont laissé un veto suspensif sur leurs décisions, arme dangereuse, fictive, qui va peu à peu emporter ce qui lui a été laissé d'apparence de pouvoir. Première épreuve de force. Louis XVI hésite à ratifier les décrets du 4 août et la Déclaration des droits. Paris, comme en juillet, intervient. Ce sont les journées d'octobre. L'opinion s'irrite des tergiversations du roi et le couple royal offre un drapeau à l'émeute. Le 1er octobre, à la fin d'un banquet donné dans la salle de l'Opéra de Versailles par les officiers des gardes du corps du roi à ceux du régiment de Flandre, les participants foulent aux pieds la cocarde tricolore en acclamant la famille royale apparue dans sa loge. L'insulte agit comme une traînée de poudre jusqu'à Paris. Le dimanche 4,
Le palais royal des grands jours réclame une marche sur Versailles. Il s'agit de ramener le roi à Paris sous la garde du peuple. Le 5, une longue colonne où dominent les femmes se met en route pour Versailles. Peu après, à la tombée de la nuit, les 15 000 gardes nationaux entraînent Lafayette à leur suite. Il pleut sur ce lundi d'automne. Trempées et crottées, les femmes arrivent au château par l'avenue de Paris au milieu de l'après-midi et parviennent en délégation jusqu'à Louis XVI par les bons offices de Mounier, président de l'Assemblée. Le roi reçoit les femmes avec de bonnes paroles, promet de faire ravitailler Paris. Mais l'arrivée du deuxième cortège au début de la nuit fait rebondir la situation. Louis XVI a beau promettre de signer les décrets, la concession est tardive. C'est son retour à Paris qui est désormais demandé. Toute la nuit, la foule campe sur la place d'armes devant la grille du château. Le 6 au petit matin, l'inévitable se produit. Des manifestants envahissent la cour intérieure et bientôt le château. Lafayette, réveillé et accouru pour protéger la famille royale, ne peut que sanctionner la victoire populaire. Du balcon de la cour de marbre, Louis XVI annonce lui-même son retour à Paris. Comme en juillet, c'est sa défaite qui rend à la royauté l'acclamation du peuple. Cortège hétéroclite qui rentre à Paris dans l'après-midi du 6 ne ramène pas un roi dans sa capitale. Il met un terme à la solitude solaire dans laquelle Louis XIV avait installé la monarchie un siècle auparavant. Il consacre la fin du pouvoir royal, devenu captif après avoir été presque divin. Bon roi se plaise à Paris, ça ravit Goethe's esprit. Le v'là sous la sauvegarde, notre honneur et notre amour. Nos cœurs y montons la garde, on se bat pour y avoir son tour. Amène-la la cause du pourquoi j'avons été chercher le roi. Ceux qui lui tendions des embûches, je les ont pris dans leur filet. Les vlassos comme des cruches, échifflés par les valets. L'assemblée souveraine et le roi vaincu sont à Paris, sous le regard des clubs et de la garde nationale. L'assemblée au manège, située le long du jardin des Tuileries, le roi dans le palais, plus ou moins désaffecté depuis le début du siècle. À Versailles, l'immense château déjà à demi déserté en juillet n'abrite plus à l'automne que des souvenirs ou des fantômes. Vaste cimetière d'une royauté morte,
il ne revivra pas avant d'être devenu son musée. Sous surveillance aux Tuileries, Louis XVI cède à la force des choses. Allons Français au Champ de Mars pour la fête fédérative. Bravons les travaux, les hasards. Voilà que le grand jour arrive. Bons citoyens, accourez tous. Il faut creuser, il faut abattre. Autour de ce champ, formez-vous en magnifique amphithéâtre. Louis XVI accepte la nouvelle constitution en février 1790. Le 14 juillet suivant, premier anniversaire de la prise de la Bastille, il est au centre avec Lafayette de la grande fête de la Fédération au Champ de Mars. Réconciliation à grand spectacle de la monarchie et de la révolution, et qu'incarne un serment solennel du roi en présence de la nation représentée. Moins d'un an après la fête de la Fédération, Louis XVI cherche à fuir son royaume révolté pour y rentrer en pacificateur. C'est l'épisode de Varennes. L'idée n'est pas de rejoindre les aristocrates émigrés, dont le couple royal se méfie extrêmement, mais de quitter un Paris où le roi n'a plus aucune liberté de manœuvre. À Pâques 1791, Louis XVI n'a pas pu quitter les Tuileries pour aller communier à Saint-Cloud des mains d'un prêtre de son choix. Pourtant, il croit la Révolution en perte de vitesse. Une fois hors de France, il pense pouvoir offrir à son peuple l'occasion d'un revirement. En voulant faire renaître la royauté dans l'opinion, il contribue au contraire à son acte de décès. Parti en grand secret des Tuileries dans la nuit du 19 au 20 juin 1791, la lourde berline qui porte le roi et sa famille est arrêtée à Varennes, dans l'est du pays, 20 heures après. S'ils sont partis, comme bien les arrêtent, laissez-les faire, ils n'iront pas bien loin. De liberté et d'un très malhonnête, dont les ingrats ont payé notre soin. Au trébuchet de notre pleine tête, ils s'y sont pris tout en faisant chemin. Rien peut-être n'en dit aussi long sur la France révolutionnaire que le tocsin de ce petit village perdu à l'arrivée de l'étrange attelage. Rien sinon la foule silencieuse du retour, veillant une famille rattrapée et captive. Par des serments ainsi que par des larmes, les êtres sages regagnent le cœur. Le patriote oubliant ses alarmes, Louis Poinot reçoit des honneurs. L'encre en secret, une goutte d'autre charme, ceux de
cueillir les fruits de leur parfum. Contre le perfide réserve de mon larme, pour arroser le fruit de vos portraits, le film est seul le pouvoir de vos âmes. L'épisode de Varennes déchire dans l'esprit du peuple le tissu d'illusion qui sous-tend l'idée d'une monarchie réconciliée avec la Constitution. Il sert de prétexte à une floraison de caricatures haineuses et cruelles de Louis XVI et Marie-Antoinette. Autant de traces qui mettent la royauté hors de la nation. Dans l'été 91, pourtant, l'Assemblée constituante sur sa fin fait un dernier effort pour restaurer la royauté dans la nation. Elle fait réprimer par la garde nationale le 17 juillet une pétition pour la suspension et le jugement du roi. Elle veut terminer la révolution, mais elle se sépare en septembre. Et dans l'Assemblée qui lui succède, la législative, les révolutionnaires trouvent un nouveau levier pour séparer le roi de la nation, c'est la guerre. Comment la guerre s'introduit-elle si vite et si massivement, dès les premiers mois de l'Assemblée législative, dans l'arsenal révolutionnaire? Si le couple royal, retranché dans les Tuileries, la veut comme une chance ou une condition du rétablissement de son autorité, comment se fait-il que les députés s'y engagent derrière Brissot et les futurs Girondins? Ils y voient d'abord l'aboutissement naturel de la vocation universelle de la Révolution française, puisque 1789 s'est fait non pas au nom des seuls Français, mais pour instaurer les droits de tous les hommes. La guerre n'est ainsi que la continuation de la croisade pour la liberté, étendue à l'échelle de l'Europe. Mais à cette ambition inscrite dans l'idéologie révolutionnaire se mêlent deux passions liées à la politique intérieure française. Réfugiés dans les petits États allemands de l'autre côté du Rhin, les aristocrates émigrés s'y organisent. Ils ne forment pas une vraie menace pour la France révolutionnaire, mais ils constituent un symbole de ce que la Révolution a vaincu déjà, le complot aristocratique, et qu'elle doit exterminer. La guerre étrangère est une suite de la guerre civile. Enfin, il y a le roi. Depuis des siècles, la nation s'est formée dans un rapport antagoniste avec les pays voisins, mais c'était sous l'aile de ces rois qui ont capitalisé au profit de la dynastie capétienne un trésor d'habitudes, d'émotions et de souvenirs nationaux. Or, c'est tout juste ce trésor qui peut être mobilisé contre Louis XVI. Il suffit que le roi des Français apparaisse solidaire des émigrés pour passer avec eux du côté des ennemis de la nation. En plaçant moralement Louis XVI dans le camp de la petite armée des nobles qui s'organise de l'autre côté du Rhin, la guerre achèverait ce que 1789 a commencé. Elle dépouillerait la vieille royauté de son histoire avec la France. La République, implicite dans les institutions, serait inscrite enfin dans les esprits. Comment Louis XVI pourrait-il le comprendre pour éviter d'en être le complice involontaire? Il se contente, comme le plus souvent, de jouer sa partition dans l'ère de la surenchère. Il imagine la France affaiblie, désagrégée par la Révolution, incapable de résister aux armées professionnelles des cousins et des beaux-frères. En réalité, il va multiplier les forces de la Révolution,
et leur offrir en exclusivité l'héritage de ses ancêtres remaniés, transformés par 89, la nation. Dans ce mot énigmatique et tout-puissant, s'opère la dévolution du patrimoine collectif des Français qui passe de la monarchie à la révolution. Le 20 avril, au milieu d'une assemblée presque unanime, Louis XVI fait voter la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie, François II, empereur d'Autriche. Première grande crise, le 20 juin 1792. Dans la France en guerre, le roi tergiverse à sanctionner des décrets contre les émigrés et les prêtres réfractaires. Des milliers de manifestants, mobilisés par les sections de l'Est de Paris, envahissent les Tuileries et coincent Louis XVI dans une embrasure de fenêtres. Le roi coiffe le bonnet phrygien et doit trinquer à la nation avec les envahisseurs des Tuileries. Ce qui a échoué le 20 juin réussit 7 semaines plus tard, le 10 août, avec l'aide de la province révolutionnaire. Le 10 août marque en effet le couronnement de toute une agitation patriotique contre la trahison. La France est menacée par l'invasion des Autrichiens et des Prussiens, entrés en guerre peu après l'Autriche, et l'Assemblée a décrété la patrie en danger. Le piège du conflit avec l'Europe des rois se referme sur Louis XVI et Marie-Antoinette. Les voici en situation d'inculpés permanents, soupçonnés de tout, coupable de tout. Leur situation d'extrême danger se trouve aggravée dans les premiers jours d'août par le duc de Brunswick, commandant des troupes ennemies, qui somme les Français sous peine de représailles impitoyables de ne pas toucher à leur souverain. Petit matin du 10 août, deux colonnes compactes de manifestants marchent sur les Tuileries, l'une sur la rive droite venant du faubourg Saint-Antoine, l'autre venant de la rive gauche et de Saint-Marceau, grossie de fédérés marseillais et brestois. Louis XVI se réfugie avec sa famille à l'Assemblée, juste avant que les Tuileries soient prises d'assaut par les insurgés, au prix d'une fusillade sanglante avec les troupes suisses chargées de les défendre. L'Assemblée cède au vainqueur. Elle suspend le roi et lui substitue un conseil exécutif provisoire. Une nouvelle assemblée constituante, qui s'appellera la Convention, doit être élue dans les meilleurs délais. La Révolution a abattu la royauté. Elle reprend sa marche en avant. Dans l'intervalle qui sépare la journée du 10 août 1792 de la réunion de la Convention le 21 septembre, la Commune insurrectionnelle de Paris couvre de son autorité provisoire une première dictature de la terreur.
La famille royale est enfermée à la prison du Temple le 13 août. Entre le 2 et le 5 septembre, aux mauvaises nouvelles des frontières, Longwy et Verdun sont tombés à l'ennemi, une foule d'activistes des sections parisiennes se livre à des massacres aveugles dans les prisons parisiennes. C'est une des scènes les plus affreuses de la Révolution française. Valmy, le 20 septembre, sauve la France de l'invasion. Duel d'artillerie au terme duquel l'armée prussienne renonce à attaquer les positions françaises. Réunie le lendemain de Valmy, le 21, la Convention abolit la royauté. Le 22, elle instaure la République. Reste à régler le sort du roi, enfermé avec sa sœur Madame Élisabeth, sa femme Marie-Antoinette et leurs deux enfants, dans le vieux donjon médiéval de l'enclos du Temple, au cœur de Paris. Étroitement surveillé par les hommes de la Commune de Paris, Louis XVI est progressivement isolé des siens, y compris à partir de décembre du jeune dauphin. Il supporte ses persécutions avec un stoïcisme simple, comme s'il était déjà ailleurs. Faut-il et peut-on le juger? Les papiers saisis aux Tuileries et remis plus tard par la Commune à une commission parlementaire de 24 députés offrent la matière d'un procès. La découverte le 20 novembre d'une armoire de fer secrète dans un mur des Tuileries livre à l'Assemblée une partie de la correspondance confidentielle de Louis XVI, notamment avec sa belle famille d'Autriche. Celle-ci montre la duplicité du roi, qui peut aussi se nommer trahison. Mais quel roi juger ? Celui de l'Ancien Régime ou celui de 1791, rebaptisé par la Constituante monarque constitutionnel ? Saint-Just, le 13 novembre, requiert contre le premier en récusant l'idée même d'un jugement. Louis XVI, à ses yeux, est coupable du fait même qu'il est roi. Mais la masse des députés veut faire un procès en bonne et due forme au roi de 1791 qui a trahi son mandat. Elle lève à grand-peine l'obstacle de l'inviolabilité et s'instaure en tribunal. Louis XVI paraît deux fois à la barre, enfermé avec ses avocats dans le système de l'accusation, incapable de plaider l'histoire de la monarchie française et même d'incarner son souvenir. Il est déclaré coupable à la quasi-unanimité. Les Girondins, qui veulent le sauver de l'échafaud, ont proposé que la sentence soit soumise aux assemblées primaires. Ils sont battus. Le troisième vote, acquis à une voix de majorité, le déclare puni de la peine capitale.
Louis XVI est exécuté au matin du 21 janvier 1793, place de la Révolution, place de la Concorde actuelle. Il avait raté son procès. Il meurt avec une majesté courageuse et simple qui marque aussi les lignes de son testament. Son éducation royale ne l'avait pas doté des moyens d'une forte politique, mais sa foi chrétienne lui avait appris à mourir. Il y a un grand concours de peuple pour assister à son supplice. Mais à l'inverse de celle de Charles Ier dans l'Angleterre du XVIIe siècle, sa mort ne provoque aucun mouvement d'opinion visible dans les semaines qui suivent. Les paysans vendéens, qui se soulèvent en mars, ne prennent pas les armes au nom du roi guillotiné. Signe peut-être que l'exécution du 21 janvier était moins nécessaire pour tuer la monarchie que pour jeter en avant la Révolution.